Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réflexion. Réflexion, c'est une tranche de Contact Pro Live. Aujourd'hui, nous sommes le 12 mars 2024, où nous allons encore, dans cette méandre d'actualité, nous allons réfléchir sur l'avenir et d'où est-ce que nous sommes et là où nous voulons aller. Donc, nous, sur les réflexions, nous réfléchissons sur ce qui se passe et ce que nous voudrions, ce que nous aimerions voir dans les prochains jours, dans les prochaines années. Donc, nous réfléchissons sur l'actualité et nous amenons les solutions pour des problèmes qui se posent aujourd'hui. L'actualité est tellement abondante, nous avons ce qui prédomine aujourd'hui, nous sommes donc un mardi, où déjà la semaine a commencé en trombe. Le week-end, nous avions vu à l'est de la République démocratique du Congo, ça continue à brûler et le M23 continue à gagner du terrain. Donc, si vous vous souvenez, dans mon dernière émission où je parlais, quand Félix Tshisekedi part dans ce périple-là pour négocier je ne sais quoi à l'étranger, à l'intérieur du pays, c'est la rébellion, le M23 est en train d'avancer. Donc nous aurons à parler sur cette actualité-là. Et de l'autre côté aussi, nous allons faire un peu une dénonciation d'une violation flagrante de la Constitution. Dans quel objectif? Nous sommes en train de voir que le président de la République, c'est comme s'il est en train de caporaliser les choses et on ne respecte plus les textes. Notre Constitution est en train d'être bafouée. Et cela, dans quel sens? Nous allons parler sur la formation du gouvernement. Que dit la Constitution? Est-ce que ce Félix, qui doit se choisir un premier ministre, ou bien c'est le député de la majorité qui se choisisse un premier ministre qui est nommé par le président de la République et institué par le Parlement. Nous allons donc à parler sur cette question-là parce que nous pensons que nous sommes justement en train d'aller dans une mauvaise direction. Alors, comme toute dans cette tranche, la tradition veut à ce que nous ne puissions pas vous laisser en dehors de l'actualité. Donc, nous vous lisons le grand titre à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Donc, nous avions sélectionné pour vous quelques 4-5 titres journaux qui paraissent régulièrement et qui nous donnent vraiment des informations fiables. Donc, lisons le grand titre de ces journaux et puis nous revenons tout de suite après pour la réflexion maintenant de ces deux grands sujets. L'Est de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'avancée du M23, et puis la violation de la Constitution que nous sommes en train de constater pour la formation et la nomination du Premier ministre. Alors, retrouvons-nous donc après cette lecture des grands titres à la une des journaux. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Éducation, Kinshasa, ce constat de Tony Mwaba après sa visite au nouveau bâtiment de la dite département. Bukavu, décès du célèbre pasteur Samuel Kabunga. Et puis, sécurité, le député Enoch Batoti propose la réduction des salaires des hautes personnalités en faveur des militaires. On va sur actualité.cd, élection des sénateurs et gouverneurs, la CAJ alerte la CENI sur les candidatures violant l'article 198 de la Constitution. La société civile du Nord Kivu dit non au repli stratégique et intempestif de l'armée et recommande à Félix Tshisekedi de délocaliser le quartier général du ministre de la Défense et du chef d'état-major FARDC. M23, Paul Kagame accepte de rencontrer Félix Tshisekedi et une date et lieu à définir. Congo profond. Corneille Nanga, l'ombre d'un seigneur de guerre dans l'est de la RDC. Épesté, les enseignants du primaire s'interrogent sur leur prime de gratuité.
invité Floyd Issakabouya à rétablir le standard médical en RDC, une vision iconoclaste pour Kinshasa. 7 sur 7, Kabouya annonce les candidatures au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et puis Kabouya toujours annoncé que la primature reviendra à l'UDPS. C'est toujours Kabouya sur 7 sur 7 qui avant 80% des membres étaient des piétons. Mais Fachi sous Fachi, les véhicules se remplissent ici. On termine par Radio Okapi. On vire à poursuite de la campagne de collecte de dons et de faveurs des déplacés de guerre. Matadi, un incendie détruit une quantité importante de kits électoraux. Et puis guerre au Nord Kivu, la société civile exige une implication accrue du gouvernement sur le terrain. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà donc, mesdames, demoiselles et messieurs, vous êtes maintenant quand même au courant. Donc je vous conseille, si vous voulez le développement ou bien vous voulez en savoir plus de ce qui se passe dans l'actualité, allez donc lire les journaux si se trouvant en ligne qui sont produits par des grands noms de nos journalistes, des grands noms qui ont créé de ces pages-là pour vous informer. Alors, commençons dans ce que nous appelons l'avancée du M23 à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir la réaction, je vais parler de la réaction de la population aujourd'hui sur la rébellion ou bien l'insurrection de M23. La guerre avance petit à petit. Est-ce que ces gens-là, est-ce que le M23 ont-ils la volonté de conquérir le pays ou quelle est leur motivation? Ils ont des revendications. D'abord sur le plan interne, ils ont des revendications qui voudraient réfléchir ensemble avec le président de la République. Ils ont eu des accords avec le président de la République. Ça, je le mets entre guillemets parce que ce sont des déclarations de part et d'autre qui ont été reconnues par les deux parties. Donc le gouvernement a reconnu que non, ces gens-là étaient à Kinshasa. Ils sont venus pour qu'ils puissent aussi être intégré dans l'armée ou collaborer finalement avec Fachi. D'autre part, vous allez voir que Fachi a nié et a dit que peut-être ces gens-là étaient à l'invitation donc du ministre des Affaires intérieures à cette époque-là, en 2019, qui était Gilbert Kangonde. Donc, le président de la République a fustigé justement le ministre de l'Intérieur qui était à la base de cette arrivée de ces gens-là à Kinshasa. Et ces négociations n'ont pas abouti. Ça, ce n'est pas le problème aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons la guerre. La guerre est en train de faire des carnages. Nous voyons aujourd'hui que le FARDC n'arrive même pas à reconquérir les territoires que le M23 est en train d'acquérir. Donc, lorsque des villes tombent, il est même difficile à ce que le FARDC puisse récupérer ça. Parce que on dit, le président a déclaré qu'il a mis tous les moyens possibles. Il a mis tous les moyens possibles pour que cette armée-là puisse finalement gagner la guerre. Mais on se retrouve dans des contradictions. Pendant que nous sommes en train de nous battre, il y a d'autres ministres qui nous révèlent certaines choses en nous disant, ici je parle de Moïndo Zangi, qui sortent dans le média en disant que on ne peut plus utiliser les drones, nous ne pouvons plus utiliser les avions qui étaient qui appuyaient justement les infanteries sur terre parce que le Rwanda est devenu un peu plus puissant que le FARDC. Donc, de l'autre côté, nous constatons qu'il y a une certaine relâche. On n'y croit plus, même au niveau du gouvernement. On n'y croit plus. De l'autre côté, on parle de la trahison. Vous allez voir que tout ce qui espérait que nous allons nous battre, tout ce qui demandait la guerre, sont maintenant désillusionnés que
comment le phare de CP de faire tomber, donc laisser des munitions, des bases dans lesquelles vraiment on comptait beaucoup, Ruindi, parce que c'est là où il y avait munitions, il y avait concentration de la base pour la guerre, pour attaquer les M23. Et cette base-là a été conquise sans même de coup de balle. Et ça a fait déjaser vraiment les gens où on se réveille en disant qu'il y a trahison, le FARDC est en train de trahir, et Chico a trahi, le colonel Chico a trahi. Donc, les commentaires vont dans tous les sens. Pourtant, nous ici, nous l'avions dit. Nous l'avions dit depuis le départ que nous ne soutiendrons jamais ce FARDC dans l'état dans lequel il est. Le FARDC ne peut pas gagner une guerre dans cet état-là. Il y a trop des aléas qui font que lorsque nous regardons la configuration même de nos FARDC, on ne peut que croire qu'à une défaite. On ne peut pas croire à une victoire. La configuration de notre armée, elle n'est pas cette armée-là disciplinée, elle n'est pas cette armée-là qui est, à qui on peut faire confiance. Même eux-mêmes dans l'armée, ils savent que non, ils sont infiltrés. Le président de la République l'a beaucoup répété. Mais nous nous sommes entêtés à aller en guerre avec une armée que nous savons qu'elle ne peut pas supporter, elle ne peut pas gagner cette guerre-là. Tantôt c'est le président de la République qui fait confiance, qui dit nous allons nous battre, tantôt il recule. Donc nous ne savons pas finalement ce que nous voulons dans cette armée à l'est de la République démocratique du Congo. C'est à boire et à manger, mes chers amis. On se pose la question, mais le président de la République fait quoi? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que c'est la négociation? Est-ce que c'est aller en guerre? L'autre fois, Museveni disait que nous pouvons aller causer. Pendant ce temps-là, nous sommes en train de nous battre aussi. Parce que, je vous assure une fois de plus, que la victoire militaire, elle ne s'obtiendra pas dans cette configuration d'aujourd'hui. Et nous avions dit, la solution que nous proposions pour cette guerre-ci, nous nous disions qu'il fallait causer, il fallait dialoguer, il fallait trouver une formule pour que nous puissions taire les armes par une négociation, une table ronde, quelque chose qui vont inclure tous les belligérants, afin que nous puissions réformer notre armée, pour que nous puissions avoir le temps de réformer cette armée. Parce que sur le plan militaire, nous ne sommes pas capables de gagner une guerre ou bien de chasser l'ennemi. Ça fait plus de 2 ans que Bunagana a été récupéré. Et Bunagana est à la frontière de l'Ouganda. Et de l'Ouganda, ces gens-là venaient justement de l'Ouganda. Regardez comment est-ce que nous sommes encore en train de collaborer avec ces Ougandais-là qui ont fait le backup avec le M23. C'est l'Ouganda qui fait le backup du M23. Et c'est comme si nous avions été roulés dans la farine. Finalement, le problème du Congo reste intact. On a pensé que Luanda pourra résoudre. Mais Luanda aussi est en train de traîner le pas. Luanda, on a exigé au président de la République d'aller causer avec le M23. Le président de la République dit qu'il ne peut pas causer avec le M23. Il va causer avec leur patron. À quel niveau nous sommes arrivés aujourd'hui? Oui, il faut causer avec Kagame. Oui, mais nous allons parler avec Kagame. Quoi? Qu'est-ce que nous allons parler avec Kagame? Est-ce que Kagame a-t-il déjà accepté que c'est lui le patron de M23? Kagame n'a jamais accepté ça. Kagame a toujours renvoyé le Congolais en se disant « Ça, c'est votre problème, ce n'est pas notre problème. » Si nous pouvons causer justement avec les relations bilatérales de pays en pays. Mais ce qui se passe à l'intérieur de ce pays-là, c'est à vous de résoudre ce problème-là. Nous ne pouvons pas commencer à dire à Kagame d'aller causer avec le FDLR. Est-ce que nous aussi, avons-nous accepté que non, nous avions le FDLR qui est une menace du Rwanda sur notre terre? Il faut d'abord que nous tous, nous puissions nous dévoiler en disant « acceptons ». Et ça, c'est ce que je dis au niveau même du président de président de la République. Donc, les solutions qui pourront être de pays en pays. Donc, Félix et Kagame, qu'est-ce qu'ils devront parler? Ils devront parler, accepter d'abord que le malheur qui arrive ou bien la peur dont ils ont, puisse être mise sur table. Quelle est la peur du pays? Quelle est la peur de la RDC? Quelle est la peur du Congo? Pourquoi est-ce que nous disons que
le Kagame est celui qui patronne le M23. Pourquoi est-ce que Kagame dit que ce Félix Tshisekedi qui patronne le FDLR? Le malheur que nous avons, c'est que les combats qui se déroulent, ou les mauvaises choses se déroulent justement sur notre territoire. Et c'est ça la victoire de Kagame. Kagame s'enchante. Et il se régale que ceci ne se passe pas sur son territoire. Et il va faire cette histoire-là parce que nous n'avons jamais vu les FDLR aller menacer un territoire ou quoi que ce soit au Rwanda. Mais tout se passe sur notre pays. C'est ainsi que s'il faut qu'ils aillent négocier, moi je crois qu'il faut qu'ils puissent accepter de se dévoiler la face en disant que oui, nous avons des FDLR sur notre territoire. Oui, nous sommes en train de patronner le M23. C'est à partir de là qu'il peut y avoir négociation. Mais malheureusement, et Kagame et Félix Tshisekedi n'acceptent pas cette option-là de dire que oui, nous avons des FDLR. Pourquoi? Parce que chez nous, nous ne sommes pas capables de contrôler ces FDLR-là. Nous ne savons pas où ils sont. Peut-être les Rwandais disent que non. Les FDLR sont intégrés au sein même de FARDC. Donc, il y a des soldats rwandais que nous-mêmes, Congolais, nous reconnaissons qu'il y a des soldats rwandais qui se trouvent sur notre territoire. Et que le Rwanda fustige que ces gens-là, qui sont dans notre armée, dans le FARDC, ce sont les FDLR. Et donc, il y a une certaine mixage. Donc, le pays, le Rwanda, s'il attaque, c'est-à-dire qu'il est en train de se défendre. Mais maintenant, de l'autre côté, les Rwandais, Paul Kagame doit accepter ouvertement en disant que non, oui, nous sommes en train de patronner le M23 parce que voilà, vous avez des FDLR. Donc Kagame n'a jamais accepté ça. Est-ce que le M23 accepte-t-il qu'il a des Rwandais au sein de ses troupes? Je ne pense pas, je n'ai jamais entendu Willy Ngoma dire que non, effectivement, non, ils ont des Rwandais qui font. Non, ce sont des histoires qui se disent dans les coulisses, mais qui sont pratiquement, comment dirais-je, étalables, vérifiables sur terrain. Mais ils n'acceptent pas. Mais maintenant, où est-ce que nous allons avec tous ces clopins clopins? La conséquence, nous allons où? Nous sommes en train de voir que le M23 est en train de gagner du terrain. C'est-à-dire que il commence à faire tomber de ville en ville. Les villes tombent. Aujourd'hui, c'est à 1 cm. Ils sont pratiquement à Goma. D'autres langues disent que non, c'est imminent. La chute de Goma, ce n'est plus un problème. Parce qu'ils ont déjà Goma dans leur poche. C'est comme cela qu'ils commencent à avancer vers le nord. Vichumbi est tombé et on commence à croire que non, le FARDC finalement ne combattra plus. Quelle est la faute du FARDC? Parce qu'il faudrait que nous puissions commencer à regarder où est-ce que nous avions fauté pour que nous puissions trouver une solution. La faute c'est quoi? Effectivement, la faute se trouve dans le fait que le FARDC n'est pas homogène. C'est une armée qui n'est pas contrôlable. Parfois, vous allez entendre que non, ils sont des infiltrés. Parfois, vous allez entendre que non, ils ne sont pas forts. Ce sont les Wazalendo, ce sont les Mai Mai qui sont en train d'aider le FARDC. Tantôt, c'est nous-mêmes, donc je parle de la République démocratique du Congo, qui n'a plus confiance à ce FARDC-là. Ils vont chercher d'autres secours ailleurs où, par les forces de l'EAC, ils recourent à la MONUSCO. Tantôt, ils se disent que non, eux, ils ne peuvent pas combattre. C'est la MONUSCO qui doit les aider. La MONUSCO va tergiverser en disant que nous allons vous apporter l'apport logistique. Tantôt, c'est ceci. Donc, nous avons toujours créé des raisons qui font à ce que nous ne sommes plus à mesure de nous défendre notre pays. Et ainsi, beaucoup de gens qui croyaient encore à Félix Tshisekedi commencent un peu à être déçus. Ils commencent à être déçus de ce qui se passe. On se pose la question finalement, Félix fait quoi? Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que c'est qu'il est en train de dire que non? Il fait remonter là en puissance la force du FARDC, ce n'est qu'une lèvre. On est
on est pratiquement obligé de croire à ça en se disant, mais c'est pas possible, on ne peut pas rester comme ça. Et c'est ainsi que donc la situation devient un peu plus compliquée. Qu'est-ce que nous devons attendre maintenant de ça? Réfléchissons maintenant. Nous avions déjà une solution ici en disant la seule chose que le président devrait faire aujourd'hui, c'est de faire appel à toutes les forces vives de la République démocratique du Congo en les expliquant que la situation est au bord de la dérive et il faut sauver le Congo si nous ne voulons pas ce que qui est balkanisation, ou retourner dans l'état où Kabila l'avait trouvé après la mort de Mouzé. C'est-à-dire quoi? Le pays divisé. C'est la peur que nous sommes en train de nous dire. Parce que la façon dont le M23 est en train d'avancer, c'est lentement mais sûrement. Mais à un certain moment, nous qui avions vécu la guerre en 1996, comment est-ce que le AFDL a commencé à grandir et a pris le goût et est arrivé jusqu'à Kinshasa? Nous risquons absolument de voir cette histoire-là se répéter. Pourquoi? Parce que nous avions vu, nous avions cru aux phases en 96. Nous avions cru, nous continuons à croire, beaucoup de gens continuent à croire aux phares, que ce sont des soldats, ils peuvent se combattre. Mais retenons une chose. Qu'une petite chose peut commencer à faire cramboler toutes les choses, toute l'armée. Si nous perdons une bataille, la plus cruciale risque à ce que notre armée puisse être démoralisée et les gens fuir. Et ça ne sera qu'un walk in the park. Vous allez voir peut-être Boutembo tomber sans qu'il n'y ait pas de coup de feu. Vous allez voir que Goma pourra tomber sans qu'il y ait coup de feu. Pourquoi? Parce que l'armée, ça sera démoralisée. Imagine-toi que cet échec ici, la petite échec ici qui est du parc de Virunga, commence déjà à faire perdre confiance à cette armée-là. Le peuple commence à se dire finalement, Mapinga Oezaya Moussalanin, Bazo Bundate, Bato Baye, il commence à faire des meetings, il commence à faire conscientiser le peuple que leur ennemi, c'est le FARDC.
à un certain moment, vous allez voir que ce phare de ceux-là vont se déshabiller et accepter d'entrer dans cette milice-là ou bien dans le M23 où on va le promettre. C'est que si vous venez chez nous, nous allons réorganiser. Nous avons une armée forte. Regardez comment vous n'êtes pas organisé. Vous avez des gens chez vous là-bas. Ça sera des défections terribles. Et à ce moment-là, Kinshasa ne sera plus défendu. Vous allez voir que cette armée-là va continuer à avancer et finalement peut-être prendre la capitale. Ça, c'est la conséquence dans laquelle nous nous attendons. Et que nous ne voulions pas que ça arrive là-bas. Il faut que nous puissions prendre une décision de proclamer un nouveau Congo. Ça, c'est ce que nous sommes en train de dire. Qui fera à ce que les gens puissent, toutes les forces vives de la population, de la République, de se mettre en dialogue pour faire quoi? Pour se choisir une nouvelle constitution, pour proclamer un nouveau Congo où tout le monde va se mettre autour d'une table pour regarder, pour solutionner, pour chercher des solutions. Il ne faut pas que ce soit une solution venant d'une seule personne. Parce que c'est cette personne-là qui est combattue par des rébellions. Surtout celui qui est en train de grandir ici. Regardez comment certains politiciens maintenant ont tendance à aller là-bas. Jean-Jacques Mamba, dernièrement, a traversé. Qui vous dit qu'il n'y a pas d'autres politiciens qui attendent le bon moment pour traverser? Et à ce moment-là, ça sera le chaos. Et si le chaos arrive, mes chers amis, nous allons vous expliquer aussi encore une fois de plus comment nous allons nous comporter, comment ça sera la République si le M23 gagne à cette guerre jusqu'à Kinshasa. Nous allons vous expliquer dans un autre numéro. Mais aujourd'hui, sur ce point-là, nous allons un peu nous arrêter pour essayer un peu d'attaquer le deuxième sujet que nous avions ici, que dont nous devons parler sur la violation de la Constitution. Mes chers amis, la Constitution dit quoi sur le choix du Premier ministre ou le choix de celui qui va former? Ce n'est pas le président de la République qui influence toutes ces histoires-là. La Constitution a prévu la séparation du pouvoir après les élections. Comme nous devons avoir si nous n'avons pas une majorité, et c'est bien dit dans la Constitution, si aucun parti politique n'a obtenu les 50 plus 1, donc c'est-à-dire la majorité au Parlement, il y a des coalitions. C'est ainsi que la personne qui choisit l'informateur pour dégager la majorité au Parlement, notre Constitution a désigné le président de la République. Et le président de la République, dès qu'il fait on dégage la majorité, c'est à cette majorité-là de se choisir un premier ministre. On n'a pas dit que le président de la République va nommer quelqu'un qu'il va choisir. Non, c'est ça l'ambiguïté de la Constitution. Lorsque la majorité est formée, dans le cas actuel, nous savons que le président de la République, 73%, c'est-à-dire une majorité écrasante aux élections, d'emblée, ceux qui ont été derrière le président de la République, c'est par là. Donc, ils doivent se mettre d'accord et se choisir un président, un premier ministre. Et le premier ministre va être choisi dans la majorité au bout d'un programme. Ils vont discuter un programme en disant, bon, c'est ça que nous allons faire. Et c'est ce programme-là qu'ils vont aller avec auprès du président de la République pour essayer un peu de négocier et réajuster ensemble avec les aspirations. Parce que le premier ministre est responsable devant le Parlement. Et donc, la majorité qui se dise, voici le programme dans lequel nous allons donner la charge à tel monsieur afin de conduire la réalisation de ce programme ici, la nomination par le président de la République, du premier ministre, n'est que protocolaire. C'est protocolaire, mes frères. Ce n'est pas que le président de la République pèse sur le premier ministre, non. Donc, protocolaire de la Constitution. La Constitution dit que le premier ministre est nommé par le président de la République, mais il est institué par le Parlement. Ce sont le Parlement qui vont dire que, ok,
C'est ce monsieur que nous voulions être le premier ministre. Alors le président signe une ordonnance. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que c'est le président qui nomme l'informateur, le président, c'est lui qui nomme le formateur du gouvernement. On le fait sur quel programme? Même si le formateur du gouvernement, sur quel programme? On n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Ça devient quelque chose de secondaire pendant que c'est cela qui devrait être primaire. Parce que le Parlement, la majorité au Parlement, devrait se dire, voici les programmes que nous voulons réaliser dans les 5 ans. Comment est-ce que nous allons conduire le pays? Qu'est-ce que nous allons faire pendant ces 5 ans? Le budget, ça sera à combien tout ça? En accord maintenant avec celui qui les nomme, le président de la République, parce qu'ils vont travailler en collaboration, ils vont réajuster le programme pour qu'il puisse y avoir une certaine harmonie entre le Premier ministre et le Président de la République. Pour que nous puissions tous savoir où est-ce que nous allons amener. Quels sont les grands projets que nous allons réaliser? Ça sera les infrastructures, ça sera par exemple les institutions, ça sera quoi? C'est tout ça qui doit être discuté entre le Premier ministre qui est choisi parmi la majorité au Parlement, qui sera supporté par cette majorité-là. Et donc, le Premier ministre sera le répondant de ce programme-là. Si ce programme-là échoue, ce sont les députés qui pourront les sanctionner en disant « Nous nous sommes fixés tels objectifs et nous t'avons donné telle mission. » Ce n'est pas les histoires du président de la République. Et là, nous voyons bien sûr qu'il y a une certaine violation de la Constitution. On ne sait pas exactement ce que nous voulons. Nous voulons le pouvoir pour le pouvoir, mais nous ne voulons pas... Nous atteler sur ce que le pouvoir va être appliqué. Qu'est-ce que nous allons faire pendant les 5 ans pour que nous puissions trouver un homme qui défendra ce programme-là devant le Parlement? Il n'y en a pas. On n'en parle même pas. C'est ça qui fait défaut, effectivement. Et c'est ça qui fait mal. Alors, quelle est la solution? La solution, sur ce point ici de la violation de la Constitution, on devrait en principe... Quelqu'un devrait, en principe, traduire le président de la République en justice. C'est-à-dire que l'accuser devant la Cour constitutionnelle et prouver effectivement que le président de la République est en train de caporaliser, disons, le pouvoir. Et qu'on nous interprète il y a beaucoup de choses qui ont été déjà violées par le président de la République, mais personne ne peut dire quoi que ce soit. C'est ainsi que la porte de la dictature est ouverte. Maintenant, tout le monde crie Moukouantombolo, tout le monde dit ceci. Et c'est par là que nous sommes en train de croire que, quelque part, même dans l'armée, il n'y a plus on ne croit plus à ce président de la République. L'armée aussi se retrouve dans une situation où on se pose la question, le président est en train de faire quoi? Voilà un peu, mes chers amis, cette réflexion dont je voulais vous apporter aujourd'hui, en pensant qu'effectivement, vous êtes en train de vous abonner. Abonnez-vous, partagez nos émissions, parce que nous réfléchissons. La semaine prochaine, comme je vous ai dit, dans la prochaine émission, nous allons encore y aller un peu plus en profondeur, parce que nous réfléchissons. Qu'est-ce qui va venir après? Je vous ai dit que sur l'armée, comment est-ce que nous allons réfléchir dans quel sens si le M23 prenait le pouvoir. Nous allons un peu nous imaginer et voir quelle est la solution. La prochaine fois, nous vous donnons la solution. Et du Premier ministre encore, comment est-ce que... Parce que nous espérons que le gouvernement devrait être en principe, être en place pour essayer de voir les violations qui se succèdent, les accumulent de tous les jours, puissent s'arrêter. Et puis c'est qu'on institue finalement les choses, qu'on les remette en ordre. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, on va s'arrêter là. En espérant que, en tout cas, ça vous a plu et vous aviez aimé cette émission. Continuez à nous supporter. Nous sommes vraiment, 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 nous avons besoin de votre soutien. Votre soutien, c'est quoi? C'est vous abonner, c'est partager ces idées ici. Parce que nous savons que ici, nous réfléchissons pour notre chère République démocratique du Congo. Voilà. Espérant vous retrouver dans un prochain numéro, on vous dit au revoir et portez-vous bien.